Choose your character! Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, regardez, je cours. Nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 2 sur Pokémon Emeraude. Et du coup, je suis un petit peu reparti en haut, j'ai un petit peu augmenté mon Pokémon. Voyons voir dans le Pokédex, dans le Pokémon directement. Arc, j'ai toujours Arco qui est Katz, hein, que j'ai nommé Katz. Et qui, voilà, il est là, il est beau, il est mignon. C'est un type plante, pour ceux qui ne sauraient pas. Et il est très bien, il est très beau. Attends, oui, son niveau. Attaque et défense, ok. Oh là là, c'est plein de couleurs, c'est joli. Oui, numéro. Niveau 9, c'est écrit en bas. Snake. Voilà, il est au niveau 9, presque au niveau 10. Voilà, et on va partir, je me suis dit, je vais vous montrer un petit peu. Mon premier Pokémon que j'ai capturé, bon ça va être un Pokémon au pif, hein. On va prendre des infos pour ceux qui veulent savoir. On va entendre le cri. Oh là là, c'est beau, quel beau cri. Et on peut voir la taille comparée à moi, hein. Voilà. Et on l'a capturé ici, on a compris. Du coup, voilà, pour l'instant, bon, on a affronté Poussifeu et tout ça, des Zigzagons et des Chenipotes. C'est pas vraiment mes potes parce qu'ils m'attaquent, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est parti. Alors là, je sais pas du tout partir où. Alors, du coup, j'ai décidé d'aller en haut. Et on va essayer de voir ce qu'il y a comme Pokémon ici. Ah, bah, en haut, c'était de toute façon, c'était là où il y avait. Oula, un Goélis. Bon, on va pas capturer ce Pokémon là parce que déjà c'est un goéland et moustique il aime pas tout ce qui est boîte et goéland, hein. Alors du coup on va pas faire peur à moustique, mais on va déjà l'attaquer pour gagner, voilà, un petit peu de vie. Parce que ça paye pas une mine quand même, hein. Ouh, je lui fais bien mal. Ouh, un pistolet à eau. Oh oui, ça va pas être efficace contre un Pokémon plante, parce que c'est un Pokémon vol et haut, lui. Ou juste haut. Et après son émission c'est vol et haut, je sais plus. On va prendre des infos, voyons voir. Duin. Alors attendez. Comme vous voyez maintenant, je peux courir comme le vent. Enfin, comme le vent qui court. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu du vent courir, ah, avec des baskets? Ouais, ça court vite, hein, moi qui a des baskets. Le Mediana, je vais peut-être le capturer. Je ne suis pas sûr. On va le défoncer un petit peu. Je voudrais essayer de niveau 10 déjà. Ce serait déjà pas mal. Oh, il a raté son attaque. Oh, il a fait un fail, putain. Je suis contagieux. Même les Pokémon font des fails en me voyant. Ça, c'est beau. En plus, j'ai regagné toute ma vie grâce à ça. Et j'ai presque au niveau 10. Ouh. Ah, putain. Quand t'es bloqué dans les autres airs, hein, et que tu te fais infiniser par les Pokémon, on connaît tous. Hein. Je pourrais fuir après, soit dit en passant. Mais... c'est bon, hein. Faut gagner de l'XP, c'est le début du jeu. Quand tu seras trop haut en level, tu pourras passer les petits Pokémon de merde. Normalement, il faut gagner de l'XP. Voilà, comme ça j'ai toute ma vie. Allez. Oui, niveau 10. Oui, j'ai au niveau 10. Parfait. Alors, allez, du coup, il faut aller à gauche. Et du coup, on m'a donné 15 Pokéballs. Du coup, hop, Pokédex, je voudrais juste voir. Attendez, comment on fait pour menu start? Retour, haut de la liste, bas de la liste. Non, c'est pas ça. Alors, attendez, c'est select. Recherche, alors tri. Mode numérique. On va mettre de mode de A à Z. Oui, ça va être beaucoup plus simple, mode de A à Z. Voilà. Goélis, voilà. Alors, ok, on sait pas encore son. Ah oui, d'accord, j'ai pas d'infos du tout sur lui, d'accord. Ok, d'accord, j'ai pas du tout. Ouais, comme j'ai pas capturé, j'ai pas d'infos sur lui, ce qui est normal. Bon, il faudra que je capture, mais j'utiliserai pas moustique, hein, t'inquiète, je sais pas s'il regardera cette vidéo, je sais qu'il aime pas trop Pokémon, mais bon, voilà. Bon. On va peut-être quand même capturer des Pokémon. Est-ce que je peux parler aux gens? Oui, j'ai attrapé des Pokémon, ok. Allez, on va commencer à attraper des Pokémon quand même. Parce que bon, on va attraper le Mediana. De toute façon, c'est les Pokémon du début. Vous inquiétez pas, je vais pas les garder. Hein. On garde très rarement les Pokémon du début.
Il y en a peut-être qui le font. Allez, écrase ta face. Voilà, je pense qu'il est assez bas level pour pouvoir le capturer. Alors, sac direct. Une Pokéball. Allez, Pokéball. Hugo. Allez, allez. Ouais. Alors, moi, il y avait un truc. Je sais pas si vous, ça vous arrivait quand vous jouez au Pokémon. Mais dans tous les Pokémon, j'appuie sur A en même temps que la Pokéball bougeait pour m'assurer d'attraper le Pokémon. Oui, ça ne marchait jamais. Mais moi, j'avais l'impression que ça marchait. C'était un placebo et ça me... Ça m'a réconforté. Les données de Medela sont à ajouter au Pokédex. Nidiana, il est menacé férocement les adversaires, le nez de ses crocs serrés. Il est très tenace, mais a tendance à rentrer la queue et à fuir si son adversaire riposte. Et si son adversaire a une plus grosse queue que lui. Donnez un surnom à Mediana. Alors ça, un chien. On peut pas l'appeler crétin de chien. On va l'appeler... On l'a appelé crétin, voilà. C'est un peu comme un chien, comme les 104. Crétin, voilà, il n'y aura pas la place pour le chien. On va juste appeler crétin. Voilà. Hop là. Ah, un dresseur. T'as un Pokémon avec toi, tu as facilement un dresseur de Pokémon. Tu ne peux pas me refuser mon défi. Faut alors que je capture les Pokémon aussi pour affronter les putains de dresseurs qui sont là à attendre pendant 15 jours. Un combat lancé par un gamin, Calvin. Bah justement, je viens d'en refoncer un tout à l'heure. Bah vas-y. Hein. Ouh, il a grondement. Ça fait augmenter sa attaque. Ok. Là on va lui écraser sa face encore une fois. Voilà, avant qu'il attaque, comme ça il a pas le temps. J'ai perdu, j'aurais davantage entraîné mon Pokémon. Allez, donne-moi ton fric. Okay, écoute, toi, t'aurais pu me le dire avant que tu savais t'avais un tel niveau. Alors attendez, par contre, le Pokémon qui est avec moi, on est d'accord. Ouais, il faut que j'aille le... On va le soigner un petit peu vite, Zef. Hein. On a un Mediana déjà. Et que je vais tout de suite regarder un petit peu. Attendez. Pokémon. Résumé. C'est un type ténèbre, je pensais que c'était un type normal et ténèbre, mais c'est juste un type ténèbre, ok. Ok, ok. C'est juste un type ténèbre, hop là. On va mettre un petit peu de tête devant. Bon, je vais devoir utiliser un crétin de chien. Mais bon. C'est pour l'XP, parce qu'au début, il faut, hein, il faut XP. Ah merde! Non, j'ai appuyé deux fois, excusez-moi. Hop là. Le tour de touche, pardon, excusez-moi. Orbe. Hop là. Voilà, comme ça on va un petit peu le monter de niveau. Histoire qu'il serve un petit peu à quelque chose, ce crétin de chien. Il servira de bouclier. On dit comme ça, ça fera plaisir à 4, il servira de bouclier. Je peux éviter ce. Alors voyons voir ce qu'il y a dans ces autres herbes. Est-ce qu'il y a une autre chose? Un Zigzagoon femelle. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le capturer? Oh non! Il a diminué mon attaque. Encore? Arrête, ça devient énervant à force. Le machin, je ne fais plus rien. Ok, bon. Il y a un moment, au moins il prendra un peu d'XP. Allez, Katz, à la tchèque! Montrons à ce crétin de chat comment il faut se battre. Ah ouais, mais il va que me gueuler dessus, lui, en face. Hé, hey, connard, t'étais sur ma route! Ah, ça y est, ça attaque! Mais déjà, tu me fais pas mal. C'est moi qui te fais mal. Voilà. Je reprends toute ma vie, grâce à ça. Merci, au revoir. Voilà. Bon, le crétin de chien n'a pas augmenté de niveau, c'est magnifique. Bon, lui, c'est un dresseur. Oui, ouais. Passe devant lui. Ah ah, du regard et fusion croisée, il a battu contre mes Pokémon insectes. Ah merde, je suis un type plante, je crois que c'est pas bon pour les Pokémon insectes.
ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Chenipote est envoyé par Scootomar. Et il est où? Et Omar? Et c'est pas Omar, si. Bon, c'est pas grave, j'ai un Pokémon là, direct. Ça, il fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Hein. La vitesse du crétin, il baisse. J'aime bien quoi. J'ai bien l'effet de l'appeler crétin. Bon, il va faire que baisser ma vitesse. Tout le temps qu'il baisse pas mon attaque, ça me va. Bon. Il a raté son attaque. Ah bah, tu m'étonnes, je suis tellement... Je sais pas comment t'as fait pour rater ton attaque, vu que je... Littéralement, je bouge plus tellement tu m'as fait de sécrétion. Déjà, on fait pas de sécrétion sans consentement, monsieur. S'il vous plaît, c'est dégueulasse. Pas devant des témoins. Ah ouais, mais il fait que ça. Oh, mais le mec, le chenipote, son fétichisme, c'est les crétins de chien. Ah, il me jute dessus depuis le début, là. C'est dégueulasse. Ah oui, non, mais il fait que ça. Ok, il attaque jamais. C'est le tuto, c'est le début, c'est la facilité. En tout cas, comme vous pouvez voir, c'est un combat très évident. Très évident. Ah, enfin, merci. En plus, au niveau 4. Un bon niveau, comme dirait certains quêtes. Non, on va garder son... On va garder pour l'instant le crétin de chien. Il a gardé son attaque. Il a gardé... il a pas attaqué le chenipote d'en face. Ah non, mais ça recommence. Mais arrête d'avoir des fétichistes bizarres comme ça, chenipote. Alors, tous ces chenipotes, ils adorent sécréter sur les chiens. Putain, c'est bizarre quand même. Ah, ça attaque un peu, enfin, d'accord. Moi, je suis du même niveau que toi, là, tu vas me dire. On fait les mêmes dégâts. Ça va durer 30 ans, cette histoire. Bon, il a raté son attaque. Je sais pas comment il fait pour rater son attaque. Du coup, ma vitesse a baissé que je ne peux pas éviter. C'est pratiquement aucune attaque qu'il me fait. Mais bon, c'est pas grave. Il est con. Faut peut-être lui mettre des lunettes. Hein. Oh, ça fait mal. Ça a un coup critique direct dans la gueule. Ah, d'accord, ok. On va changer de Pokémon. Voilà. Allez, Kat, finissons-en parce que. Oui, j'ai piqué. Ça a piqué un peu. Hein. Voilà, ça c'est fait. Oh, je suis hors d'état de combattre. 64 Pokédollars, c'est tout, mais vous êtes pauvre. Putain, j'espère que vous avez. Ah, je crois que c'était une dresseur, mais non, c'est une petite fille qui est perdue, qui fait pipi dans la buisson. Oh, un Tarsal. On va peut-être pouvoir le capturer, mais je crois que c'est un Pokémon plante, vu que j'ai déjà un Pokémon plante qui est Cat. Hein, j'ai même pas le temps de dire ce qui est écrit. Pokébot. Ah, mais c'est un Pokémon psy, je crois aussi. Je crois qu'il est psy et plante, ou juste psy. Voilà, je le suis. Oh, là, c'est pas sympa. Bah, si, baisse mon attaque comme ça, je vais te faire moins mal. Et je suis plus sûr de pouvoir te capturer. Allez, allez. On y croit. Mais c'est fini, oui. Arrêtez de crier dessus. Je tente une dernière attaque. Ouh, ça suffit. Ouh, eh ben maintenant on va pouvoir le capturer. Sac. Pokéball go. Ah, oh, j'ai que ça, Pokéball. Je me souviens que j'en avais 15. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé qu'il y en avait 15. J'appuie en même temps que la Pokéball bouge. Hein. J'ai toujours ce réflexe-là. Hein. Ça sert à rien et pourtant. Et hop, Tarsal est attrapé. Les données de Tarsal sont ajoutées au Pokédex. Tarsal! Grâce au corps de sur sa tête, Tarsal a la faculté de ressentir les émotions des gens et des Pokémon. Il se met à l'abri au moindre signe d'hostilité. D'accord. Donnez un surnom à Tarsal. Je voudrais bien lui appeler Tarsal Gueule, mais je crois pas qu'il y aura la place. Hein. Oh, il y a peut-être la place. Non. Si ça marche. Merde. Merde, vous tombez. Hop là. Tarsal. Ah ouais, il va pas avoir de place. Ah, il va pas avoir cette place. Bon. Tarsarguel. Non, ça fonctionne pas, on est d'accord. Ça fonctionne pas. Bon, Tarsal. Oh, j'allais dire Talas. Tarsalopette, mais bon, si je le prononce pas. On met un T.
Tarsalopé. Ça se prononce Tarsalopé, les gens. Arrêtez de... Hein. Je suis pas comme ça, quand même. Je suis pas très grand. Là, je m'en fous dans les autres herbes. L'herbe château et mes narines. Je suis un psychopathe des autres herbes. Achoum. Ok. Ah, bonjour. Tu viens juste de devenir dresseur. On est tous les deux des débutants. Mais tu parles, je suis un débutant, moi. Tu veux... Ouais, c'est une sale gosse. Je vais te faire retourner chez ta mère, moi. Gamin. Allez, canard. Allez, le crétin attaque. On t'a plus beaucoup de vie, mon pauvre, par contre. Allez, vas-y, on espère. Vas-y, fais rugissement. Profites-en. Non, j'ai dans mon sac, j'ai pas une potion. Ah, il me semblait que j'avais une potion. Ah, mais je crois que c'est dans mon ordinateur, j'ai une potion. Alors, on va envoyer 4, hein. 4, il va gérer à lui tout seul. Allez, écrase ta face dessus, voilà. Ah, mais ça picote. Allez, vole-lui de la vie. Voilà, c'est très bien ça. Ah, crétin, on monte au niveau 5. Eh, il a pont grondement. Ouais, une attaque super. Super pourrie. Enfin, pour moi, mais sûrement. Nirondelle va être envoyée. Bah non, on change pas parce que de toute façon les autres ils sont dans le mal. Ah, un oiseau, ouais, attention. Allez, dans ta gueule. Arrêtez de hurler dessus. Ça devient pénible à la fin. Oh, pas grand chose pour gagner, pour monter niveau. Je voulais même mesurer à toi parce que je pensais pouvoir te battre. Donne-moi ton argent. Donne-moi ton argent. J'ai même pas gagné de chef, j'espère que je vais bientôt y arriver. Ah ouais, quand même. En même temps, t'as des Pokémon pourris. Oh, des baies. Ah oui, il y a des baies maintenant à prendre. Il y a deux baies au rang. Cueillir baies au rang. Oui. Ouais. Le sol est à nouveau meuble et fertile. On peut rajouter des baies la prochaine fois. Allez, on cueille les baies. Et on pourra planter des baies la prochaine fois. Alors attendez, dans le sac, les baies, qu'est-ce qu'elles font déjà? Est-ce qu'on peut avoir des infos dessus? Lire étiquette. Oh, il y a une étiquette sur les baies quand tu les étudies. Oh, c'est sucré. Délicieuse et très sucré, cette baie est très tendre à manier doucement. Ok. Oh, elle est épicée, sèche, sucrée, amère, acide. Alors, elle fait tout. Une drôle de baie aux saveurs variées, elle pousse en une demi-journée. D'accord. Elle est tout en tout cas. Alors, elle soigne du poison. Et celle-là, elle restaure 10 PV au combat. Oh, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a l'histoire des baies, je crois que je les ai pas tellement utilisées que ça quand je jouais à Pokémon Ruby. Lui, on l'a affronté, ouais, on revient en arrière. Clémentiville, ouais, allons manger une clémentine. Ah merde. Je vais continuer à gagner pour devenir la meilleure dresseuse. Fais-moi avancer dans ma carrière. Ma carrière de youtubeuse professionnelle pokémonesque. Oh, madame, cette jupe est un peu courte. Vous savez quel âge, fillette Marianne? J'espère que vous êtes majeure, parce que sinon ça va passer sur YouTube, cette histoire. Oh là là. Sur Twitch, j'aurais passé une jupe aussi courte, mais sur YouTube. Ça parle mal. Bon, vas-y, on va essayer d'attaquer un peu, quand même. Oh, il a raté son attaque. Ah, bon, j'en profite, vas-y. Il est miro, le machin. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais, tu me hurles dessus, quoi. Vas-y, moi j'utilise aussi. Moi aussi je gronde. Moi aussi. Moi aussi je gueule, hein, connard. Bon, moi ça augmente mon attaque pendant qu'il l'a baissé. Mais... Ah. Ah oui, oui, effectivement là. Bon, hein. Oui, bon. Voulu faire le fifou. Bon, après on va aller soigner les Pokémon. Voilà, là, ça te calme. Bon, au moins lui il monte de niveau. Ah, oh, vive attaque. Ah, super. Bagnon va être envoyé. On garde nos Pokémon, c'est bon. Okay. Bon, on lui écrase sa face et après on fait vive attaque.
Ouais, ça me vole mes techniques. Bon, tu m'as pas volé grand chose, je suis Pokémon Plante aussi. Hop là, allez, il attaque. C'est moi qui attaque en premier parce que je suis vif. Je vais dans ta gueule. Voilà. Au moment, faut mourir, monsieur. En fait, c'est moi qui contribue à faire avancer ta carrière. Ouais, merci pour la mini-jupe courte et tout ça. Ça va bien, je vais bien monter ma carrière. Pour prendre le chemin de la victoire, je vais devoir avec plus de Pokémon. Est-ce qu'il y a encore des dresseurs sur la route ou... Ah, non, c'est bon. On va pouvoir soigner les Pokémon. Bonjour et bienvenue au centre Pokémon. Vous pouvez soigner vos Pokémon. Madame, vous êtes tous les mêmes. À une prochaine fois, peut-être. Alors, attendez, juste je regarde. Alors, Tarsalopette. Ah, c'est un Pokémon Psy, c'est ça. Limite la capacité spéciale. C'est bien un Pokémon Psy. On pourrait peut-être le changer et augmenter un peu lui. Parce qu'un Pokémon Psy, c'est toujours utile, quand même. C'est toujours utile. Je vais voir. Allume le PC. Alors, PC de point d'interrogation. D'accord. Ah, déplacer un objet. Ah oui, on peut changer les boîtes de mail. On peut changer le fond et tout ça, donner des noms. C'est vrai, j'aimais bien ça. Ça, c'est cool, ça. C'est complètement con, mais c'est cool. Putain, enfin, il est annulé. Salut, à quel... Alors, PC de Snake. Alors, retire un objet. Ah, j'avais une potion. C'est bien ce que je pensais. J'avais que ça. Allez. On éteint. Ah non, 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 mais non, je m'en allais. Au revoir. Ah merde, désolé, j'ai appuyé sur un bouton. Ah putain, excusez-moi. Putain. Excusez-moi. Hop. Je pourrais parler aux gens, mais je suis mal poli. Oh, Cléantiville, en plus en brique, quoi, le machin. Bonjour, madame. Où est passé notre Timmy? Nous devons bientôt partir à Vergazon. Ah, c'est surtout votre gazon qui est vert, madame. Hop. Waouh, regardez le reflet, le ray tracing et tout à l'époque sur Game Boy Advance, c'est fou. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Arène Pokémon de... Ah bah, arène Pokémon, ok. C'est une arène Pokémon de quel type? Bah... Pokémon Plant, je suppose. C'est Norman, le youtubeur qui... Ouh là là, j'aurai des problèmes. Attends. Arène Pokémon de quel type? Ok, d'accord. Ah, c'est mon papa, mais il existe vraiment. Tiens, c'est toi, Snake. Alors, les ménages m'ont fini. Je suis surpris de voir que tu as réussi à me déguiser par toi-même. Oh putain, t'as essayé de me retrouver. T'as réussi à me retrouver alors que j'étais parti à genre 10 km plus loin. Oh, fais chier. Mais, oh non, j'ai à avoir tous mes trucs de parentalité à faire. Non. Je vois que tu es avec tes Pokémon. Bah, je suppose que tu vas aussi au dernier dresseur, Snake. C'est une très bonne nouvelle, j'attends ça avec impatience. Oh, j'aimerais avoir un Pokémon, s'il vous plaît. Hein, tu es... Oh, mais oui, tu es Timmy, n'est-ce pas? Je vais dans ma famille... Ah, c'est Timmy qui parle, merde. Je vais dans ma famille à Vergazon. Comme je savais que j'allais être le seul, je voulais être la paire Pokémon en loot. Mais je savais pas, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas comment faire. Je vois. Snake, t'as entendu? Va avec Timmy et tu entends qu'il attend un Pokémon sans risque. Viens, Timmy, je te prête mon Pokémon. Timmy reçoit Zigzaton, le Pokémon le plus super, dis donc. Oh, waouh, un Pokémon. Je vais aussi te donner une Pokéball à Livesil. Timmy reçoit une Pokéball. Oh, waouh, merci beaucoup. Snake, tu veux bien venir avec moi, vraiment? Je sais pas pourquoi je donne l'accent. Bon, voilà, c'est pas moi qui joue, vas-y. Oh, petite musique tranquille. Oh, ah oui, je suis à côté de la fille en mini-jupe, bravo. Ah, ça c'est bravo. Snake, les Pokémon se cachent dans les autres herbes, comme celle-là, pas vrai? Observe-moi et regarde si j'arrive à en t'attraper correctement. Wow! Un Pokémon! En train de m'attaquer, c'est trop cool. Ouais, il a les cheveux verts, oh ouais, cool. Un Tarsalope, Tarsal sauvage, apparaît. Zigzatoon, go!
Ah bah vas-y, bah joue. Hein. Ok, je joue à ma place. Hein. Et c'est pas moi qui joue, hein. Là c'est lui. Hein. Ok. Vas-y, moi je te regarde, hein. Moi je regarde. Ouais, Timmy, 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 Timmy. Il faut lancer une balle. Non, j'ai même pas eu le temps de lire. Laisse tomber. Laisse-moi. Mais c'est pas moi qui touche, hein. C'est lui qui fait tout à ma place. Hein. Oui, bah j'ai compris, hein. Le tuto, le oui. Mais... J'ai quand même des capturés de Pokémon avant que t'arrives, te rencontrer. Hein. Ah, toi aussi t'appuies sur le bouton quand la Pokéball bouge. C'est bien Timmy, t'as compris les bails. Et hop, t'as sali, t'as attrapé. J'ai réussi, c'est mon Pokémon. Merci Snake, retournons à Raren. Alors ça a marché. Oui, en effet, merci. Ouais, yes, en effet, merci, je vous rends votre Pokémon. Snake, merci de m'avoir accompagné. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper mon Pokémon. En plus, un Pokémon superbe. Je promets de bien m'en occuper et de bien le faire combattre à mort. Oh, maman ou matin, j'y vais. A plus, Snake. Bon, maintenant... Snake, si tu veux devenir un bon dresseur, voici mon conseil. Parce que t'as le bon dresseur et t'as le mauvais dresseur. Le bon dresseur, il fait combattre des Pokémon. Et le mauvais dresseur, il fait combattre des Pokémon. Va à Méroville, c'est la ville qui se trouve un peu plus loin. Fais gaffe parce qu'il y a que des Mérous là-bas. Oh si, et il y a que des thons aussi. Ah, ah, t'as compris la blague. Là, il te faudra battre le champion d'arène Roxanne. Ensuite, rentre dans les autres arènes et bat les champions. Obtenir leur badge, compris. Bien sûr, je suis aussi un champion. Un jour, on s'affrontera, Snake. Mais avant, il va falloir que tu améliores ton niveau, Snake, parce que t'es une petite merde. J'ose pas te parler tellement t'es bas. T'es plus Choroni, tu n'es pas mon fils. Tu devrais pas aller à l'arène de Méroville. Je n'ai aucun intérêt à affronter un dresseur aussi bas que toi. Snake, je t'affronterai quand tu auras un meilleur niveau, que ce sera pas une petite merde. Nous combattrons, Snake, quand tu auras 4 badges à montrer, ok? Faut que t'aies un peu de background, faut que tu deviennes une star. Ok, alors va sur YouTube et fais des tutos. Pardon. Je pars des fois tout seul en cacahuète. Hein. C'est. C'est fou. Oups là, attends, faut pas que j'oublie de courir. Qu'est-ce que c'est que ça? À la maison de Timmy! Bon, on peut parler. Il est pas là. Moi je voulais voir Timmy, c'est tout. Alors. Ok, on peut se balader chez les gens. Je me baladerai en off, hein, parce que. Pff, intéressant. Oh bah d'accord. C'est qui? C'est Jean-Claude Van Damme? Excuse-moi, laisse-moi deviner, tu as vu les vêtements que tu portes, tu serais pas un dresseur Pokémon par hasard? Peut-être pas, tes vêtements ne sont pas si sales. Tu es soit un dresseur débutant, soit un gamin ordinaire. Je parcours le monde à la recherche de dresseurs de talent. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Biatch. Ok, je sais pas comment je vais le prendre, mais je le prends pas bien. Okay. Oh oui, on laisse des traces dans le sable. Bon, ça s'efface, on sait pas comment, mais ça s'efface. Ok, d'accord. Vas-y, on combat. Ah, je t'ai coupé dans ton truc. C'est trop cool de laisser des traces de pas sur le sable. T'as vu, la Game Boy Advance à l'époque, elle était trop forte. Elle faisait apparaître et disparaître des traces de pas. Alors des fois dans des jeux, tu vois même pas les traces de pas dans la neige. Je vais pas te dire c'est qui. Willy va... Ah, Willy veut se battre. En avant, Tarsalopette! Ah, Tarsalopette calque ramassage du zigzaton ennemi. Ah, il peut copier les trucs du zigzaton, mais je sais pas ce qu'il sait quoi son truc. Là. Ah, la queue rugissement, sérieusement? Sérieux? Bon. Bah, on va changer de Pokémon. Oh, sérieusement? Elle peut juste crier. C'est ça, c'est bien. Ça se voit que c'est un Pokémon femelle. Elle ne fait que crier! Wow! Blague de beauf! Mais c'est bon, j'ai bon. C'est bon, j'ai une femme dans dans mes Pokémon qui me crie dessus et j'ai pas besoin d'avoir une deuxième. Ah merde, c'est un mec! Ouais, les mecs, c'est toujours sa gueule plus haut que leur. Hein? Oh, par contre, ça va mettre 30 ans, hein! Au secours, hein! Oh putain, ça va mettre 30 ans.
Même si j'utilise grondement, ça suffira même pas à augmenter l'attaque qui m'a fait baisser. Bon, vas-y, on le fait quand même un peu. Ah bah c'est maintenant qu'il utilise charge. Oh putain, par contre, il tirait plus que... Bon, c'est un peu normal, il a pas eu son attaque diminuée, lui. Ah mais non, mais sérieux, je viens d'augmenter mon... Espèce de fils de... Mmh. Ah bah maintenant tu fais charge maintenant, espèce de salopio. Oh là là. Bon, moi je me mettrais tout ça un coup de pied au cul, moi. Ah vas-y, on va voir ce que ça donne, vas-y. Ah bah ça a pas beaucoup aidé. Non, je le garde parce que j'ai vu que j'ai 4 PV avec l'autre. Oh, un Granny Pio! Vas-y, je peux te le voler? Non. Ouais, c'est vrai que j'ai d'autres attaques que... C'est ça. Ouh là là, il grossit! Il est en train de... Il a une érection, je crois. Allez, vive attaque. Hop là. Et il se concentre, hein. Elle est au niveau 7, hein, il est pas... Ouh là, on voit la sauce, c'est dégueulasse. Ouh là, ça va faire mal, ça. Vite, vite, vite. Ah ouais, ça rigole plus, là, ça y est. Oh, 3 pixels de gagner niveau 12. Ah oui, j'ai du sable dans mes chaussures, elles sont dégoûtantes. Bon, au moins, il donne son argent, c'est déjà pas mal. Je vais laisser les traces de mes pas sur tout le sable, mais elles disparaissent aussitôt. Ouais, t'as vu, c'est bizarre, hein. C'est la technologie Game Boy Advance. Oh, y'a Mario là qui se promène et j'y vais. Qui a attrapé ce Pokémon qui a l'air super fort. Il y a je ne sais quoi de magique chez lui. Je suis sûr qu'il est très fort, ouais. Ah merde, c'est pas grave. Un combat est lancé par le pêcheur Rémi sans famille. Oh, Magikarp. J'espère qu'il a pas. On va faire un enregistrement. Enfin, il a trempette quoi, tout le temps. Ouais, Magikarp, il sert à rien, je vais pouvoir l'attaquer à fond. Je baisse son attaque, ça sert à pas grand-chose. Bon. Vas-y, crétin! À l'attaque! Bon, je vais sûrement faire un accéléré sur ce combat. Ça va être long, il est au niveau 9, je suis au niveau 5. C'est un Magikarp, je n'ai pas peur, il peut rien se passer de toute façon. Comme ses attaques. Allez, c'est parti pour l'accélération. Ah, un coup critique pour finir, cool. Ah, ça c'est le parfait dresseur qui permet de vite monter d'XP grâce à ça. Bon, ça même pas suffi quoi, augmenter. Après j'ai pris les deux Pokémon, ils se sont partagés XP moi. Ah, si t'avais plus de Magikarp, j'aurais pu vite augmenter. Bon, allez, on va aller à la ville soigner ses Pokémon. Moi en off, je vais monter le niveau un petit peu crétin et ta salopette. Et on se retrouve pour un prochain épisode sur Pokémon Emerald. Bah sur, voilà, sur en émulation. Hein. Et voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. C'est gratos, appuyez sur la cloche pour ne louper les prochaines vidéos de la chaîne. Salut tout le monde. Et portez-vous bien. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je fleure à présent les pieds. Je ferai tout pour les beaux vainqueurs et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, encore avec espoir. Les Pokémon.